les gens, ici c'est ShadowWar et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 sur The Last of Us. À la suite de l'épisode 6 que je viens de tourner. Et on se retrouve dans le bâtiment infecté de bébêtes pas gentilles. Je suppose qu'il faut que je passe. Ok, donc sachant qu'il y en a une qui se déplace par là-bas. J'en vois une troisième là-bas. Là, je suis dans la merde. D'accord, ça commence super bien. Hello les gens, ici c'est Chat. Non, je rigole. Je vais refaire une intro, hein. Je vais tout refaire. Non, on va pas ouvrir cette porte. Alors, je déteste ces passages-là. Je déteste, franchement. Tess. Ouais, forcément. Tess. Ils sont passés, mais ils sont pas là. Merde. J'ai pris ça. Je vais prendre ça. Oui, parce que quitte à être entouré de bestioles, autant en profiter un peu. Genre, il y a de la sauce. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça je prends. Je veux du soin, je veux. Alors. Non. Pas utiliser le surin non plus. Merde, je crois qu'on est obligé. C'est pas grave, on va utiliser un surin. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes au moins? Je ne fais. Oh! Attends, est-ce que ça refait? J'ai eu un petit bug pendant un moment. Notre ami Joël a eu des cheveux à la Devil May Cry, des cheveux blancs. C'est la vieillesse. Alors. Le gentil monsieur, il est là. Juste comme ça, ils sont où? Je crée les voir au-dessus pour ça. Je viens ici. D'accord, la bouteille que j'ai cassée n'a absolument rien fait. Prenez une autre bouteille. Vas-y, fais pas ta pute. Voilà, on va pouvoir passer là, ici tranquille, vite. Voilà. Ok, ça c'est fait. Je suppose qu'il faut monter. Je continue d'avancer doucement parce que, à mon avis, ça ne m'étonnerait pas. Oh, il y a des gens qui sont en train de se battre là. C'est un infecté ou? Celui-là, je vais utiliser un surin pour lui. Allez, voilà. Oula. Voilà, ok, on les retrouve. Oh, oh, elle lui a éclaté la tête comme de la porcelaine. Merde. Bon, tant pis. On va se battre avec le bâton. Voilà. C'est quoi tous ces mecs là? Voilà. Toi tu dégages. Vas-y, recharge un peu plus vite que ça, s'il te plaît. Tant faire dans la dentelle. Voilà.
Non mais par contre là j'ai trop mal. Oh non, faut pas abuser, j'étais quasiment soigné. Bon par contre là je vais finir par crever. Ah chier. Mais merde, je suis quand même mort. Parce qu'il faut bien que je meure des fois, mais pas tout le temps, merde. Mais pourquoi il m'attaque direct là? Oh. Voilà. Voilà. Putain, mais. Mec, je vais dégomme quoi. Ouais, attends, c'est bon, j'arrive. Allez, éclate la tête. Le truc. Vas-y, dégage. Voilà. Toi dans la tête, ça ira mieux. Vite, vite, on n'a pas le temps, Joël, recharge pas tout. Ok. On va le finir à la main. C'est pas un souci. Voilà. C'était bien trop juste. Sans blague. Il y avait juste combien de mecs là? Moi j'ai juste plus de vie en fait. Phew. Heureusement que le jeu ne rétrograde pas la difficulté à chaque fois qu'on meurt. Hein. Quoi, merde. Non, prends la bouteille, c'est mieux. Quoi, elle s'est fait mordre, elle s'est fait quelque chose. Je sens que quand il y a quelqu'un qui soupire comme ça, c'est que c'est jamais très bon. Juste voir. Mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir ou pas? Non, c'est une bouteille. Ce n'est pas intéressant, une bouteille. Oh. Les jolis trucs en carton. Putain, j'ai cru qu'il était... Il était manchot. Enfin, que jet, plutôt. Manchot des pieds, si ça existe. Nom de Dieu. Ok. Salut. Tess, ça va, tu tiens le coup? On a juste failli mourir. Et toi, t'as juste failli mourir aussi, mais c'est pas grave. Ça nous mènera au toit. Allez, go. C'est parti. Je crois que je pouvais lui parler. Non? Non, je veux pas que je te parle. Bon, pourquoi tu me fais chier alors, hein? Attendez, je vais juste voir au fond. Non, il y a juste une planche pour se suicider si jamais l'envie te prend. Mais ça ne nous intéresse pas. Pas vraiment pour le moment. Je meurs déjà assez souvent comme ça. Pour vous faire une petite mort gratuite, hein, s'il vous plaît. Par contre, tu me gênes, petite. Hein. Parce que t'as l'air maigre comme ça, mais tu prends quand même pas mal de place. Hein. Trouver un moyen de traverser. C'est bon, c'est le bâtiment. Je parie qu'avec cette planche. Ah, je suis trop fort. Oui, bah, je sais. Quoi? Pourquoi elle a fait ce bruit-là, elle? Hop. Il nous a fait un petit pas la pote pas. Okay. J'ai pas trop compris pourquoi. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Tremblement de terre! Tu fais trembler la planche. Juste pour faire chier. Et du coup, j'aurais peut-être pas dû mettre la planche tout de suite. Parce que j'ai pas plus le temps de fouiller, du coup. Donc s'il y avait de la drogue ou des choses comme ça... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. J'avoue que c'est quand même beau. Allez, par là. Hé, hey, traîne pas. La petite musique qui va bien derrière. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Normalement, il n'y a plus. J'y pensais là. Normalement, il n'y a plus de problème de synchronisation labiale comme on avait dans les. Enfin, la voix qui est pas en même temps que les lèvres. Hein, c'est pour ceux qui savent pas ce que le mot veut dire. Hein. Mais normalement, il n'y en a plus. Plus de problème de ce genre. Donc, c'est tant mieux. Ne t'arrête pas. Oui, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je vais fouiller juste les environs. Genre un petit truc d'ordure comme ça, c'est louche. C'est louche et pourtant, il n'y a rien. Non. C'est juste pour faire chier. Exactement. Alors.
Pareil ici. Aha! Là par contre, il y a un Jean qui est mort d'ailleurs. Bonjour Jean qui est mort. Regarde ça! Ouais. Ordre des Lucioles. Alors, qu'est-ce que c'est? Contrôler la zone relevée. Ils le seront pas. D'accord, donc c'est bien les mecs qui ont emmené la fille en fait. Écoute, tout va bien. Je vais fabriquer ça d'ailleurs. Je vais en profiter. Okay. Je vais faire un surin. Voilà. Hop, j'ai tout ce qu'il faut. On y va? Allez les petites. À la queue le. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais. Ah, juste comme ça. Ah, d'accord, si c'est pour l'emmener là. C'est pour passer ici, je suppose. Voilà. C'était ça. Ok. Pas un truc qui traînait derrière? Non. Oui, par rapport à ce que j'ai lu, en fait, il décrivait le virus, le cordyceps, les différentes manières de le repérer, quand c'est que l'infection prenait lieu et tout ça. Enfin, du baratin scientifique. Par contre, dans la case traitement, il n'y avait que dalle. On y est presque. Oui, mais moi. On y est presque. Moi, je cherche. Je cherche, mais il n'y a rien à trouver. Ça, qui est dommage. C'est beau quand même. Franchement, c'est classe. Je trouve ça franchement classe. L'environnement qu'ils ont créé, franchement, c'est un truc. Non. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Juste comme ça. Juste pour info, ça a l'air dégueulasse. Je suis contente que Marlène vous ait embauché. Comment ça? Hop, moi je suis tranquille. Là là. Je voulais vous dire merci. Ouais, pas de problème. Ah, c'est dégoûtant, les marais. Enfin quoi, il y a des jolis petits uniformes, mais voilà quoi. C'est un peu vert, caca. D'ailleurs, je vais pas toucher le marais. Il a les mains un peu du genre. Je ne vais pas toucher. Je ne vais pas rester dans ce machin-là. Eh, c'est tranquille ici. Y a pas un truc à récupérer? Même pas. Putain, mais les radins, ils pourraient cacher plein de trucs. Bon, je sais, c'est un survival horror, mais quand même. Ça fait pas de mal de cacher des petits secrets, des trucs comme ça, quoi. On se fait chier à explorer, y a rien, quoi. Ah, tata. Comment je suis mouillé? Comment il a un jean moulant? Moulant mouillé. On rentre dans la maison? Allez, c'est parti, rentrons dans cette maison. Ce manoir. Enfin, le Capitole, mais. C'est... Oh. Non. Non, non! On fait quoi maintenant? Je suppose que c'est les gars qui étaient censés les attendre. Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde! Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra. T'as, elle veut ses guns, elle. Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça. Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Elle les veut, c'est qu'elle veut faire la guerre. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh merde. Elle est infectée? Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas. Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure, et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types, il saura où aller. Non, ça c'était ton idée. Je ne veux pas. Ça sent le drame. Tu dois, écoute.
Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi ? Alors, tu veux qu'on te laisse ici ? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Pas de bisous, sinon tu vas être infecté, mon petit. Hein. Je peux me battre. Vas-y, pars ! Comment il veut faire son américain ? Allez, je peux me battre. C'est pas ma guerre, mais je peux les buter. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. On se casse sauce. Cette tête. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Bon, elle aurait pu nous donner ses munitions. Merde, j'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. Elle va se faire tuer. On sait. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Oh non. Je sais qu'elle va mourir. Ah, c'est beau ça. Oh putain. Ah putain, elle va se prendre une balle. Continue d'avancer. Ah putain, puis je suis du mauvais côté. Ah non, c'est bon. Juste regarder s'il y a personne. Ok. Bon bah elle est morte. Ah, ils essaient d'ouvrir la porte là. Je regarde juste là-bas. Oui, bah je sais. Je me dépêche ma petite. Ok, c'est ouvert. Donc maintenant on n'a plus le temps. Sans blague. Je suis en train de faire quoi à ton avis? Warzazat. Ok, on récupère. Je suis en train de courir comme une malade. Comme un malade, pardon. Oh là là. Oh, une carabine. Ça, j'aime. Le sniper. Enfin, une carabine. C'est bon, ça. On va garder le gun, quand même. Quoi ? Oh merde, ils sont là. Comment ils ont fait pour nous contourner, sérieusement? Ok, ils sont là. On va se barrer par là-bas. T'éloigne pas, allez. Ok, celui-là j'aurais pu le neutraliser. On va essayer de passer sans se faire repérer. Et si possible sans en tuer un seul. Ok. Avec un peu de chance, il y en a un qui va arriver par ici. Ok. Ah putain, il m'a vu. Reste accroupi. Pas du tout où ils sont. D'accord, un neutralisé. Le deuxième se trouve là-bas. Tu crois que je te vois pas? Ah, c'est très con, ils étaient deux en fait. Viens là que je t'éclate la tête contre le mur. Merde. Ok, on va prendre la carabine. C'était le moment de la tester. Putain, j'ai déjà pas de balles. Peut-être que je les économise, quoi. Allez, viens. Ok. Ok, viens. Allez, go. On se casse. Putain. Par contre, il me faut une autre arme. Voilà, on reprend le gun. Allez, on se dépêche.
J'étais obligé de les tuer, mais... Attends, les mecs, ils devraient avoir des chargeurs dessus, quoi. Ils ont même pas de chargeur. C'est un petit peu abusé, mais ce n'est pas grave. Ouais, je suis obligé de passer par là. Bon, bah, c'est parti. Allez. Joël, je sais pas. Pose pas trop de questions, gamine. Okay. On va traverser cette salle. Voilà, je vais me remettre un peu de santé, parce que je suis pas sûr de pouvoir tenir tout le truc. Je sais pas combien ils sont. Laisse-toi. Ok. Ok, ils sont tous là-bas. Il y a des trucs à récupérer là. Pas l'air d'avoir grand-chose. Alors, si normalement ils nous passent sur la droite, on va pouvoir les contourner par la gauche. What the fuck? Putain, il m'a vu. Voilà, je vais crever par contre à mon avis. D'accord. Sans de la vie, je suis mort. Pardon. Je suis mort. Pas besoin de remettre de la vie, je suis mort directement. Je crois que ce jeu en difficile est quand même difficile. Non, vous ne trouvez pas? Ouais, moi je sais à peu près. Largement beaucoup trop. Mon dieu, je n'arriverai jamais à passer ce passage-là. Voilà. Les deux derniers. Paraît que l'un d'eux, gosse. Et alors, ils ont descendu un groupe des nôtres. Joël. Je sais. Je la vois. Par contre, juste comme ça, évite de crier comme ça, hein, quand il y a les mecs. Forcément, lui, il va rester là. Il fait chier. Bouge pas, ma petite, bouge pas. Alors, lui, il avance là, ok. Et lui. Où est passé ce fumier? What the fuck? J'aime bien. En fait, la petite a été gérée de façon à ce qu'elle soit invisible, quoi. Laisse-toi, ma petite, laisse-toi. Reste dans la flotte, parce que si j'en ai un qui sort la tête, qui nous voit. C'est ceux-là d'escalier que tu parles? J'ai entendu du bruit. Il y a des livres, enfin des tracts. Oh putain! Et il nous plombe le derche, naturellement. Ah oui, parce que elle est insensible, mais pas moi. Mais on va s'arrêter quand même là-dessus, puisque l'épisode a duré assez longtemps. On va certainement entrer dans une nouvelle phase. Donc, je vais vous laisser sur ce petit passage un peu mouvementé, agrémenté de tous mes fails, comme à l'accoutumée. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là, et donc, salut à tous. J'arrête un écran, portant la mention play again.